Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une Sirocco. C'est pas une Sirocco R, mais un mazout. Eh oui les gars, un mazout, mais c'est une grande surprise. Pourquoi? Sous le moulin, 177 chevaux, un 2 litres TDI avec 380 Nm de couple. Et c'est ça qui va honnêtement dans l'essai faire la différence, dans une très belle config. La finition c'est life, voilà, avec des jantes qui sont super belles. Franchement les jantes elles sont dingues. Et d'ailleurs elles ressemblent beaucoup aux jantes des GTI. Putain, tracteur. Elle est dans un beau gris. Une double sortie sur la gauche. Ça sent même encore un peu le mazout. Ce qui est bien c'est qu'elle est encore chaude la voiture. Donc on va pouvoir envoyer direct. Je vais commencer par le coffre. Et dès aujourd'hui les amis, vous allez voir amélioration. Et la clé d'ailleurs qui se présente sous cette forme là. Donc clé Volkswagen. Avec fermeture, ouverture et ouverture du coffre. Alors il n'y a pas de bouton physique pour ouvrir le coffre. Donc soit vous l'ouvrez par l'intérieur, soit vous l'ouvrez par la clé par une pression maintenue. Donc voilà, ici. Et tada, j'ai en famille une valise pour vous donner un ordre d'idée. Alors le coffre, 312 litres, ce qui est quand même assez petit. Et là littéralement vous le voyez, vous pouvez mettre deux bagages cabine, donc côte à côte, avec un sac souple et encore un sac de sport pas très haut. Voilà pour ce qui est de l'espace de coffre. Alors ça c'est cette valise, vous la verrez très souvent. Voilà pour ce qui est du coffre. Ensuite réservoir 55 litres, bah, du mazout. Le déverrouillage sans clé, ça c'est vraiment pratique. C'est à dire que vous avez la clé sur vous, vous avez juste à mettre un coup sur la portière, ça c'est bien. Et l'équipé du Dyn Audio, le son est vraiment bon. Et d'ailleurs je me pose une question, est-ce que si je ferme la porte et si je maintiens l'ouverture de manière continue, est-ce que ça va pas? Ah, beau gosse! Et ça ouvre le toit. Ouais, voilà, j'étais sûr que ça. Ah, ça c'est bien. Donc, et si vous faites à l'inverse, si vous avez les vitres fermées, ouvertes, et que vous êtes à l'extérieur du véhicule et que vous maintenez la touche de la fermeture maintenue, voilà, ça va fermer les fenêtres et le toit ouvrant. Ça c'est vachement pratique quand même. Voilà, petit détail, mais elle est très bien optionnée quand même. Ça, ce petit détail là, ça fait la différence. Petit seuil de porte. Pour te rappeler justement la finition life, life ou life, je sais pas vraiment comment dire ça. Alors il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les poignées. Alors je sais pas s'il y a des poignées. Non, il n'y a pas de poignée justement au-dessus de la tête. Donc il y a celle-là qui, je pense qu'il est bien assez suffisant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la même chose pour le conducteur. Si jamais tu as peur toi-même de ta conduite, ce qui est bien, c'est que tu peux toi-même te tenir à. Bon, après, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que si tu te tiens parce que tu as peur de ta conduite, ce qui peut être éventuellement mon cas, quand même, je me fais parfois peur. Ouais, bah tu peux te tenir. Voilà, c'est quand même assez pratique. Niveau confort, on est bien. Alors, petite anecdote, le copain de ma mère avait à un moment donné, avant qu'il y ait la Golf, là que vous avez vu sur certains vlogs avec la couleur mauve et dégueulasse, mais au moins originale, il avait une Sirocco. Et j'avais bien apprécié cette voiture. Après, il faut qu'elle soit bien config pour que j'apprécie cette voiture. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, il y a un semblant de baquet justement à l'arrière pour les deux sièges et qui sont vraiment très 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 beaux. Ensuite, au niveau de la place, je vais me mettre d'ailleurs. Bon, honnêtement, ça passe. Hein. Vous avez un petit rangement ici. Pas d'accoudoir. Et c'est 4 places. Voilà. Là, on peut pas faire différemment. Et là, je crois que si vous faites ça, hop, ouais, c'est assez pratique. Juste à faire le bouton ici, ça c'est pratique. C'est au milieu et non pas sur les côtés comme sur beaucoup de véhicules. Isofix, donc si vous avez un enfant, bon, c'est toujours une info bonne à prendre. Ici, un rangement sans allume-cigare à l'arrière. Porte-manteau ici. Une liseuse. Voilà. Une liseuse d'un côté d'ailleurs, il n'y a pas de l'autre côté. Je viens de me rendre compte de ça, c'est assez marrant comme détail. Le fameux bouton justement pour ouvrir le coffre ici. Et le volant, qui est le même que sur les GTI, sauf qu'il lui n'est pas badge GTI. Donc des anciennes phases justement. Et d'ailleurs j'ai pas précisé justement que c'était un véhicule de 2013 aussi. Donc ce qui fait que c'est quand même un véhicule moderne et ça c'est quand même vachement bien. Un petit rangement là. Voilà le régulateur de vitesse que j'ai pas utilisé personnellement. Parce que j'ai tout le long où j'ai eu le véhicule, j'ai quand même bien envoyé. Elle a le démarrage sans clé, ça c'est vachement pratique. Siège chauffant. Et sa boîte DSG6, donc elle est disponible en manuel, boîte Meca 6 rapports ou DSG6. Deux portes gobelets là, c'est pratique. Un frein à main. Et un rangement ici.
Avec cette prise, évidemment, c'était une option. Fallait acheter le câble séparément à l'époque. Je me rappelle, je sais plus, ma mère avait ça sur l'Ibiza, je crois. C'était assez chiant. Et d'ailleurs, en parlant de portable, vous avez ça qui vous rappelle que on n'est plus dans l'air du temps. Un iPhone 4, 4S. Voilà, avec l'ancien branchement d'époque. Donc, autant dire que c'est relou. D'ailleurs, je vais allumer l'électronique. Donc, Limbizone, ça c'est cool. Vous avez le branchement auxiliaire ici, donc moi j'ai mis mon câble pour écouter de la musique, ça c'est pratique. Bah le toit ouvrant, non le toit qui est pas ouvrant, il est juste ventilé, voilà, vous pouvez juste l'ouvrir comme ça. Et vous avez le pare-soleil comme ça aussi. Voilà. Ah là là, excusez-nous si on rigole, parce que bon la voiture nous a fait un truc bizarre. Donc le démarrage sur clé, de toute façon on va pas vous faire écouter l'exhaust, parce que bon clairement c'est un mazout. Alors, il y a les palettes au volant. Il y a plusieurs modes. Alors, vous avez le mode D. Alors, ce qui est un peu pas ce qui est chiant ou quoi, mais en fait, quand vous passez de parking à D, en fait, le S se met automatiquement. Alors, c'est pas forcément très grave, mais vous, en fait, il n'y a pas une sorte de sécurité entre guillemets. Vous pouvez vous mettre en sport directement. Ce qui me dérange pas absolument pas. Hein, vous me connaissez. Donc, sport, les passages vont juste passer un peu plus haut. Et si vous voulez vous mettre en manuel, il faut vous mettre en D puis sur la droite. Et donc là, ça va vous mettre 1 ici, comme vous pouvez le voir justement. Voilà, la voiture est déjà chaude et ça c'est cool. Information qui est bien, ce qui est bien, c'est que vous avez la température d'huile, alors que sur certaines voitures, même sportives, vous n'avez pas ça. Voilà, et d'ailleurs, on va parler juste de la consommation. Une moyenne de 7 litres 3, et j'ai bien appuyé. Les données constructeurs, c'est 5 litres 5. Donc autant vous dire que vous pouvez aller assez loin avec la voiture. Voilà, bah, moi je vais rester sur la température d'huile parce qu'on est quelqu'un de plutôt sportif. Enfin, je vais commencer en D. Et pour continuer un peu ce que vous m'avez conseillé dans les commentaires. Alors, le freinage, je trouve, la voiture pèse 1 tonne 3, donc il est normal en fait. Je vais même pas vous dire qu'il est, oula, putain, j'espère qu'on va pouvoir passer. Il est pas forcément sportif, ni mordant, ni pas suffisant, mais il est normal en fait. Je sais pas comment on peut juger forcément les freins, parce que après, c'est pas un véhicule sportif, il freine normalement finalement. La DSG, vous connaissez mon point de vue sur cette boîte de vitesse. Moi personnellement, je me mets plus en sport qu'en D parce que elle aura tendance à moins avoir ces à-coups que je déteste avec cette boîte. Et d'ailleurs, en parlant de S, justement, on va directement se mettre en S et je vais appuyer pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça passe les rapports un petit peu plus haut. Bon, vous avez entendu le son du mazout. C'est pas mal, mais moi je vais vraiment vous montrer les perfs. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. On va se mettre sur la deuxième. Voilà, c'est plutôt pas mal. Clairement, il y a une réserve de couple à bas régime qui est exceptionnelle. En fait, si je devais dire des points, des défauts ou des qualités que j'ai eu avec la voiture, alors. Des défauts, j'en ai pas forcément eu parce que moi j'en ai pas eu une grosse utilisation. Mais le coffre est très petit, vous l'avez vu avec la valise. Donc si vous devez partir faire des courses pour toute une famille, c'est compliqué. Franchement, cette voiture n'est pas du tout adaptée pour un usage familial. D'ailleurs, on en a eu un dans la famille. Moi je devais aller derrière et honnêtement, la place derrière, vous avez de la place pour les jambes, mais c'est étriqué. Enfin, on sent les trois à l'arrière. Il y a une visibilité sur les trous intérieurs qui est d'ailleurs pas extrêmement bonne. Après, vous avez vu la forme de la voiture, c'est un peu comme la Mégane. C'est bof bof. Donc la place au coffre qui pour moi est un défaut entre guillemets. Après là, si je devais parler de qualité, c'est que c'est un mazou, ça a du couple, ça consomme absolument pas. Et alors par contre un avantage qu'il aurait eu, c'était la boîte 7. Je suis un peu déçu qu'ils aient mis la boîte 6 parce que clairement sur l'autoroute, je l'ai vu avant, on était à 130, on était à 2500 tons minutes et on entend quand même le bruit du tracteur du mazou. Bon, une boîte 7 ça aurait été un peu plus avantageux, mais bon. Après, ce qui est en termes d'équipement électronique, là, clairement, on est servi. Bon, elle est quand même de 2013, donc tout va bien quand même, heureusement, j'ai envie de dire. Mais si je devais donner mon avis quand même sur toutes les voitures que j'ai eues chez Vendemon Auto, celle-ci, clairement, fait partie du top, du top 2. En fait, d'abord, il y a la Fiesta et ensuite, je vais mettre celle-là et je suis pas le seul d'ailleurs. Quand même, est du même avis. C'est pas que tout le reste des véhicules était mauvais ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, personnellement, j'ai eu une accroche sur cette voiture qui était assez sympa. Je parle évidemment des voitures que j'ai prises avec moi jusqu'à chez moi, parce que sinon je parlerais forcément de la Jaguar. La Jaguar que j'ai kiffé, putain, je roule comme 24 heures du Mans, je comprends rien du tout. Mais ouais, la Jaguar a été très sympa et la DBS forcément aussi. Mais des véhicules que j'ai gardés chez moi, ouais, ça a été très sympa. Et la 130i juste après celle-là d'ailleurs.
Ce qui est très bizarre, hein, vous me direz, mais la 130i personnellement était un peu trop vieille en termes d'équipement et de vie à bord. Alors oui, j'avais parlé sur l'essai de, c'était laquelle, je crois que c'était la Fiesta d'ailleurs, ou de la Golf, je sais plus, où je disais que la vie intérieure, ouais, c'est pas important, etc. Oui, c'est pas important quand on roule de manière sportive, mais maintenant quand on est à l'usage quotidien, qu'on ramène des gens, ou simplement en termes de confort et d'infos électroniques, etc. Ouais, c'est là quand même a été beaucoup plus agréable. Et en plus, elle est dans un vrai état. Elle a 50 000 km et elle sent encore le neuf. C'est assez ouf. Le propriétaire, l'ancien propriétaire du moins, méticuleux. Et je crois d'ailleurs que la voiture est vendue. En tout cas, aujourd'hui, il y a une visite. C'est pour ça que je viens un peu plus tôt. Mais bon, allez voir sur le site devant mon auto si elle y est toujours. En tout cas, elle est dans un vrai état. Très bien entretenu. Enfin, personnellement, moi, quand je l'ai eu, évidemment, toujours le temps de chauffe respecté. Mais le propriétaire précédent aussi. Enfin, j'ai jamais vu une voiture aussi propre, quoi. Donc, ouais, les amis, on se retrouve dans quelques secondes pour faire l'outro chez Ismaël. Bon, les amis, on est chez mon auto. Encore une fois, c'est grâce à eux que j'ai eu le prêt de cette voiture et je les remercie énormément. Elle est là, la Sirocco. Alors, si je veux être objectif et bien réel, c'est pas un véhicule qui va être adapté à une utilisation familiale. Du moins, je déconseille quand même un petit peu. Je pense que vous l'avez compris par rapport aux places arrière. Par contre, je pense que c'est un bon compromis entre un daily pour voyager, un peu sportif, mais pas au niveau de la sonorité en tout cas. Quoique, pour un Mazout, je trouve qu'il fait pas un bruit trop dégueulasse. À bas régime, en fait, on dirait pas du tout d'ailleurs que c'est un Mazout. Et bon, ouais, forcément, dès que vous montez dans les tours, là, l'appel du camion, en tout cas, il a de la gueule. Ça, on peut pas l'enlever. Et il est vrai que après cet essai, essayer une Golf, enfin une Sirocco R, ou ben, ça serait intéressant, pourquoi pas. D'ailleurs, je parlais, je sais plus, je crois que c'était sur un live ou sur une vidéo, je sais pas quoi. Les véhicules sportifs, j'aime pas du tout le chrome, mais par contre, dès qu'on est sur un véhicule typé classe, ça tombe bien, c'est une classe S, eh ben je trouve que le chrome, ça lui va super bien. Comment elle est belle, c'est un truc de fou et sympa. Et ils viennent de rentrer cette Golf d'édition 35, donc à voir si. Je ferai pas un comparatif pour voir par rapport à l'autre GTI que j'ai essayé la dernière fois. D'ailleurs, on va voir la fiche technique parce qu'elle vient, vraiment, elle vient d'arriver. On va voir la semaine prochaine. En tout cas, on attendra la semaine prochaine, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait plaisir. À vous abonner aussi, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, ça.